Vous regardez RTL. Madame Le Boulanger est normande et c'est elle qui a connu avant 3 ans. Qui a connu quoi ou ah, qui... le cheval. Allez-y Bernard. Le cheval que Macron a offert au président chinois. Excellente réponse de Bernard Mabille. Il a 3 ans. Et oui. Bon, bonjour Madame Le Boulanger. Bonjour à tous. Non, vous n'êtes pas un peu triste quand même que le cheval soit parti en Chine au fond? Elle a gagné du pognon. Non, nous ne sommes pas tristes. Non, nous sommes très fiers qu'il ait été sélectionné pour symboliser la tradition française et offert par le président Macron. Pas manger ça, bon, ça sera très bon. Allez, écoutez, c'est bon. Très bon. La petite couille, elle a été castrée. Oui, mais gentil, monsieur Macron, il a fait sandwich sur nous. Sandwich avec des raviolis à la vapeur. Écoutez, je vous en prie, les Chinois mangent pas plus de cheval que vous et moi. Enfin, heureusement qu'il n'ait pas emmené son chien, Macron. Ouais. Il a parce que là, le Nemo est terminé. Ce n'est pas n'importe quel cheval, c'est un cheval de la garde républicaine, magnifique cheval. Pouvez nous rappeler son nom, Madame de Boulanger. Après, on va vous laisser tranquille parce que mes camarades sont là qui disent des bêtises. Vous laissez pleurer. Merci, Madame la Boulanger. Pour les bons sandwichs. Mais très gentil, Madame la Boulanger. Comment s'appelle le cheval alors? Le cheval s'appelle Jésus de Bréca. C'est une jument alors? Alors non, c'est un hongre en fait. C'est un mâle. Un mâle castré, non? C'est un mâle castré, tout à fait. Ça, ouais. Ah, il manque un bout. Alors, monsieur Fassien Cracon, monsieur Macron, il a fait le cheval, les cassé. Il a emmené les boules dans une valise. Il a gardé les boulettes pour lui. Ricantonner. Ça, c'est pas bien. Quand on fait cheval, il faut être tout là-dessus, cheval, pas cassé. Il n'y a pas une voiture, il n'y a pas les volants. Mais que va dire votre femme, monsieur de Kersauzon? Elle va dire quand tu as encore passé du temps dans ma famille. Je vous rappelle que la femme d'Olivier de Kersauzon a des origines chinoises. C'est pas vrai. Oh non. Alors franchement, c'est pas bien. Vous moquez. Elle t'a choisi parce que t'es... Vous moquez de votre belle famille. C'est toi qui est raciste. C'est pour ça qu'il connaît les produits culinaires de la région. C'est bah tout. Quand même, il va être loin de la Manche, son pays d'enfance. Mais il est près de la baguette. Il va s'accoutumer facilement là. Bien sûr, ça s'accoutume. On peut faire avec la sauce soyou ou la sauce. On peut accoutumer avec tous les sauces. Ils la ont sauce huître, les chevals, cette sauce huître, c'est très bon. Ils ont acheté un grand fétou. Le président chinois, quand il était venu chez nous en France, avait vu la garde républicaine et c'est là que. Il avait dit c'est bon à manger. Il aurait été escorté par des motos, il lui offrait une Suzuki. Mais j'aimerais bien manger celui-là. Le numéro 87-82-30. Monsieur de Kersauzon. Mais est-ce qu'ils vont bouffer le soldat qui est avec? Madame Le Boulanger, je vous demande d'excuser Olivier de Kersauzon. On le sort régulièrement. Est-ce que vous en avez un autre, un peu de rab? Oui, Madame Le Boulanger, au revoir et bon appétit. N'écoutez pas, Madame Le Boulanger, n'écoutez. J'ai honte, vous Madame savez. Le Boulanger, je suis là, j'essaie. On sait bien que les grossesses, c'est une émission d'humour. Ne vous inquiétez pas. Le cheval a été remis aux Chinois. Avec chaque cheval a acheté 100 litres de crème moffaine. Il a été remis avec son harnachement d'armes, selle et sabre. C'est pas digeste, ça. C'est un peu comme la fève dans la galette. Tu vois, c'est quand tu manges le cheval, si c'est toi qui as le casque du garde républicain, c'est toi qui es le roi. Et en fait, c'est le PMU qui a payé le cheval. Oui, bien sûr. Mais c'est ta femme qui t'a appris à parler chinois. Il y avait écrit PMU sur le cheval, c'était oui. Pour manger uniquement. Je suis désolé, Madame Le Boulanger. Je suis désolé.